Bonjour à toutes et tous, ici FP pour Best Kicker avec une nouvelle revue d'un SNG 9 joueurs. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans un turbo et nous sommes en micro-stake puisque on va analyser un tournoi joué sur PokerStars.com en 3,40$ par une connaissance qui a bien voulu me prêter sa End History qui est Bi Wasabi. Miwasabi est un joueur plutôt moyen, je me permets de le dire parce que je le connais bien, et donc ça va permettre quand même de voir quelques erreurs et de les analyser. Comme c'est un non-turbo, on a quand même pas mal de mains dans toute la revue. Première main, As 4 de carreau au bouton. On a deux limpes. Ici, avec des blindes à 20, on peut compléter pour essayer d'aller chercher la double paire et surtout la flush. Mais comme toujours, on ne s'emballe pas sur un flop à As-High, puisque notre kicker ne vaut absolument rien. 9-5. Je ne vais pas commenter toutes les mains, je vais juste laisser une seconde sur l'écran pour que vous puissiez voir les mains qu'il faut jeter. Ici, on a un free flop qui ne nous connecte absolument pas, donc on va jeter. On complète avec une petite paire, aucune raison de relancer ici, de construire un gros pot sans savoir où on va avec une main qui va être assez compliquée à jouer au flop si on ne touche pas son brelan. Donc là, on va aller set miner tranquillou. On ne touche pas, on est à 2 over. Il y a un dunk payé par l'initial raiser, donc on jette notre main. Ici, on peut relancer, on est quand même au cut-off. Donc, effectivement, dans les early positions, je préconise plutôt de limper la paire de 6. À partir des late positions, je dirais même hijack, cut-off, on peut la relancer à 60. Ici, on est surrelancé à 80, de rajouter 60. A-t-on la règle des 1 pour 15? 60 x 15, ça fait 900. On joue ici pour 990, donc on peut compléter les 60. Vous voyez aussi l'intérêt d'avoir limpé. Bon, rien ne dit qu'il vous aurait 3 BT si vous aviez fait